J'ai reçu pas mal de questions concernant la création de numéros d'articles ou de séquences personnalisées sur la gestionnaire de stock. C'est pourquoi nous allons voir dans ce cours comment créer nos propres séquences personnalisées. En bonus, je vais vous montrer comment créer un numéro aléatoire et unique pour ceux qui veulent avoir des séquences complètement différentes. Je vous donne le tuto de rien. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tuto de Rien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous allez retrouver ici de nombreux tutoriels qui vous aideront à progresser sur Excel. Et dans cette vidéo, nous allons donc voir comment créer un numéro de séquence personnalisé. Et nous allons donc commencer par le plus simple, c'est-à-dire d'afficher un simple numéro de séquence que nous allons récupérer d'une autre cellule comme ici. Donc ce qu'on va faire, on va reproduire ce qui se trouve dans la première ligne ici. Donc là, tout simplement, donc on a un numéro de séquence qui est situé en haut. Donc c'est notre numéro qui va donc s'incrémenter à chaque fois qu'on va créer un nouveau numéro, donc un nouveau objet ou quoi. Et donc ici, on va faire en sorte que on fait est égal à la cellule qui se trouve au-dessus et on obtient donc 1. Vraiment, rien de compliqué, c'est vraiment tout simple, tout bête, donc ça, tout le monde est capable de le faire. Par la suite, on va s'attaquer donc ici à la deuxième ligne ici. On va donc faire en sorte que notre numéro de séquence contient 2 zéros devant le chiffre. Donc en total, il y aura 3 zéros en fait. Donc on obtient un résultat avec 3 chiffres. Ce qui peut donc indiquer aussi que notre séquence ou le nombre d'objets qu'on peut créer est limité à 999. Par exemple, on pose ça le plus haut, c'est pas un souci. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va donc revenir ici. On va faire donc le lien à la cellule A1 qui se trouve au-dessus. Puis on va aller faire un clic droit. On va dans format de cellule. C'est une des options, il y a deux options en fait. On va dans personnaliser, on vient ici, donc ce qui a marqué standard, on peut l'effacer. Et on place donc 3 zéros. Je fais OK. Et désormais, on obtient donc 0, 0, 1. Ceci est donc une des solutions. Je reviens en arrière. Une autre méthode pour faire afficher donc des zéros devant un chiffre, c'est de le placer en texte. Donc on fait est égal à, on fait texte. On prend la cellule qui contient la valeur, ça veut dire la cellule A1 ici. On fait un point virgule, et puis on demande le format. Quel type de format est-ce qu'on veut lui donner? Eh bien, la même chose que dans personnaliser le format, on va mettre donc entre guillemets 3-0, on ferme, je fais entrer, et on obtient aussi donc le 0-0-1. Désormais, nous allons voir que si on veut vraiment personnaliser nos numéros de séquence, nous pouvons le faire en ajoutant donc du texte à notre séquence, ou à notre numéro de produit. Cela nous permet donc de distinguer des catégories. Par exemple, si on met un texte qui s'appelle prod, on peut dire c'est des produits. Si on met par exemple un texte devant qui s'appelle serve, on peut dire c'est des services, et ainsi de suite. Alors pour mettre du texte, il suffit de soit capturer du texte qui se trouve dans une autre cellule. Donc là, on peut simplement concatener. Donc je vais dire que ici je place donc prod. Et je dis, je vais faire afficher prod ici. Non, je fais donc est égal à. Et je fais donc référence à la cellule qui contient le texte. Je fais donc le signe et pour le concaténer avec le numéro de séquence ou le numéro de produit. Et je fais, j'obtiens donc prod 1. Maintenant, si je souhaite mettre un tiret entre, ce qu'on peut toujours faire, c'est venir donc, hop, je vais venir coder ici avec moi, c'est venir mettre donc le nouveau signe et de concaténer. Et puis mettre en guillemets la petite barre, donc la petite ligne dedans. On fait entrer et on obtient donc prod 1. Donc ceci fonctionne parfaitement. On peut aussi le faire autrement, donc si on ne veut pas faire référence à une cellule pour afficher du texte devant ou même à l'arrière, parce qu'on peut le placer à l'arrière aussi, donc si je fais ça, hop, je fais ça et j'ajoute à l'arrière donc un A par exemple, voilà, je fais entrer, on obtient donc produit un A. Si on souhaite directement indiquer dans notre formule le texte même dedans, on peut le faire très facilement, donc on vient ici et on fait donc est égal à. On met entre guillemets notre texte, donc on a dit prod, je mets la petite barre, je fais le signe et de concaténer, et le numéro de séquence qui suit, et on obtient donc produit barre 1. Donc vraiment très pratique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que on va afficher donc un texte, le chiffre, comme indiqué ici, sauf qu'on va rajouter les zéros devant automatiquement, comme on l'avait fait précédemment, donc afficher les 3 zéros devant. Comment on va faire ça? Donc je viens ici, je fais donc est égal à, je vais indiquer prod, ou vous pouvez indiquer une cellule, la barre, voilà, je fais le signe et concaténer, et désormais je vais mettre le numéro de séquence, donc le numéro de facture ou de produit, avec des zéros devant, comme on l'a fait précédemment, mais cette fois-ci on est quasiment obligé d'utiliser du texte. Donc on va faire est égal à texte,
Là, quelle référence? Ben, là, une bande séquence au-dessus, point virgule. Quel format? Ben, 3.0. Je ferme, je fais entrer et j'obtiens donc prod bar 001 automatiquement. Ici, il faut bien retenir qu'il faut donc utiliser impérativement donc la formule texte, sinon cela ne fonctionnera pas. Et voici donc la question qui m'est tellement demandée, comment créer un numéro de produit ou de séquence ou de facture qui comporte une date. Alors, dans notre exemple, nous allons utiliser la date actuelle, donc la date au moment que je suis en train de créer la vidéo ici, donc au moment où je fais le cours ici. Mais avant de commencer, nous allons devoir extraire les chiffres de la date. Et pour cela, nous allons donc utiliser des formules suivantes. Ça veut dire que si on veut avoir un résultat comme ici en dessous, donc avoir la date, hein, donc ici on a donc le 2019-11-01. Et donc, comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, le 2019, c'est l'année, donc j'ai extrait le chiffre de l'année. Le 1, ben, c'est le mois. Le 10, c'est le jour. Et le 1, c'est mon numéro de séquence qui se trouve au-dessus. Si je change ça en 2, on voit que ça devient un 2. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir d'abord extraire donc, tout cela. Donc, pour extraire l'année en chiffres, on fait simplement être égal à année. Puis aujourd'hui, on ferme deux fois. Je fais entrer et on obtient 2019. Avec ceci, donc, on va donc extraire le numéro de l'année. Si je veux faire le mois, je fais la même chose, être égal à mois. Aujourd'hui, je ferme deux fois et obtiens 1. Le jour, ben je fais simplement donc est égal à jour. Aujourd'hui, je ferme deux fois et j'obtiens le 10. Ben, tout ceci, on va le combiner ensemble en le concatenant avec le chiffre, avec le symbole et ensemble avec le numéro de production qui se trouve donc dans A1. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc je viens ici, je fais est égal à année. Aujourd'hui, voilà. Concatenez moi aujourd'hui, je ferme, concatenez, puis on va dire c'était le jour, voilà, aujourd'hui, je ferme trois fois, et le numéro de séquence ou le prochain numéro qu'on devra utiliser qui se trouve donc dans A1, je fais OK, je ferme et on obtient donc 2019-11-02. Voilà comment est-ce qu'on peut prendre une date et le placer comme numéro de séquence. On peut aussi encore le personnaliser celui-là. Si on souhaite, hein, on peut venir ici, donc je reviens dans ma formule, et je peux indiquer que je veux le mois en texte. C'est une des modifications que l'on peut faire. Je peux dire que je veux le mois en texte, et pour cela je fais donc texte, voilà. On obtient donc le mois aujourd'hui, oui. Je le veux en format MM, voilà, je ferme. Je fais entrer et j'obtiens 2019 janvier 102. Si je veux raccourcir le janvier et je veux faire marquer janv, je peux revenir dans mon code ici. Voilà. Et au lieu de passer 4M, j'en mets que 3. Je fais entrer et on obtient 2019 janv. Et désormais, ce qu'on va faire, ben, on va faire comme on l'a fait là tout à l'heure aussi. Donc, on va ajouter donc un texte devant, placer un texte devant. On va extraire donc la date d'aujourd'hui, la date actuelle, donc 2019. Le 1er de janvier, donc, et la 10e jour. Et on va placer donc le numéro de séquence avec 3-0 devant. Et on va voir comment cela fonctionne. Hein. 3 ou 4, tout dépend comme vous voulez. Donc, on fait ainsi. Je fais donc est égal à, entre guillemets, prod. Hop, je fais concatener, puis je prends année. Ben, aujourd'hui. Voilà. Et le mois. Aujourd'hui. Je ferme et... le jour, aujourd'hui, trois fois, et cette fois-ci en texte, on va prendre donc le numéro de séquence, donc la prochaine numéro que j'ai besoin, point virgule, au format donc 3-0 ou 4, c'est comme vous le souhaitez, je vais mettre 3, je ferme, je fais entrer, et on obtient donc prod 2019-1-10-0-0-2. Voilà donc comment est-ce qu'on combine tout cela. Et je pense qu'on a un peu vu, un peu en total, donc en totalité, les possibilités donc de personnaliser un numéro de séquence ou un numéro de produit, soit on a un peu vu comment cela on peut le personnaliser. Et désormais, comme promis, ben voici le bonus hein, où nous allons donc créer un numéro aléatoire et unique, très important, grâce au VBA bien sûr. Hein. Alors pour réaliser cela, nous allons devoir vérifier donc en premier lieu si le numéro qu'on va créer, qu'on va générer automatiquement, il existe déjà, donc c'est la première chose qu'on va faire. Si le numéro, il existe, ben on va devoir générer un nouveau numéro.
Par contre, si le numéro n'existe pas, on va devoir le stocker quelque part et le faire afficher donc ici dans la cellule A1 ici dedans. En fait, on va un résultat comme ici. Donc je clique dessus, vous voyez, et automatiquement, il y a un nouveau numéro qui apparaît, un numéro aléatoire. Et ce numéro aléatoire qu'on va en train de créer ici, donc dans A1, on voit le numéro qui est en train de se créer, est unique. Il ne va jamais revenir deux fois. Ce numéro est garanti unique. Et comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va créer d'abord un tableau. Donc ici, j'ai un tableau qui a été créé. Et à chaque fois quand le numéro, on va le capturer, ben, je vais le placer dans le tableau ici dedans. Et par la suite, on va vérifier dans le tableau si le numéro existe déjà, oui ou non. Si le numéro n'existe pas, ben, tant mieux. On peut utiliser le numéro qui a été créé, le placer dans le tableau pour pouvoir vérifier par la suite et la faire afficher. Donc ici, on va recommencer. Donc je vais effacer tout ce qui se trouve dans mon tableau. Donc je fais supprimer. Voilà, donc je supprime le tout. Je vais dans mon tableau ici. Je vais donc nommer mon tableau, le champ ici, je vais le nommer donc numéro sec. Donc numéro de séquence, ainsi je vais le nommer. Je vais donc dans VBA, donc je vais ouvrir mon éditeur de code VBA. S'il a bien envie, bien sûr. Voilà, il est là. Voici donc le code qui va permettre de faire cela. Donc je vais l'effacer et le refaire entièrement avec vous. Donc, hop, je vais l'effacer. Et on va faire étape par étape. Donc première chose qu'on va devoir faire, hein, c'est de devoir générer un numéro de séquence automatiquement. Alors comment est-ce qu'on va faire pour générer un numéro de séquence automatiquement? Eh bien on va venir ici et on va dire que, on va créer d'abord une variable, donc dim, on va dire sec pour séquence est égal à, on va prendre un long. C'est as long, ouais, tellement l'habitude de travailler avec du Java maintenant que j'ai un peu de confusion. Et on va donc dire que sec est égal à int. Hein, on va prendre donc, lui demande le nombre, donc on prend le nombre 10, voilà, on prend le 10, fois random, voilà. Et désormais, grâce à cette formule, on va pouvoir créer automatiquement un numéro aléatoire. D'ailleurs, on va le voir, je vais dire que ici dans range. Alors on va dire D2 pour mieux afficher, est égal à séquence, et je vais lancer le code et on va voir ce qui se passe. Donc je clique dessus, on voit qu'il affiche un 4 ici dans D2, je clique dessus, 7, 3, 6, 2, 1, et on voit donc qu'il est en train de générer automatiquement un numéro de séquence. Par contre, le numéro de séquence qu'on est en train de créer ici n'est pas unique, donc on va avoir plusieurs fois le même qui va revenir, mais simplement créer un numéro de séquence entre le 0 et moins que le 10. Si on veut faire afficher le 10 aussi, donc on veut faire de 1 à 10, on va ajouter derrière donc plus 1. Alors on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà le premier code qu'on crée pour créer notre numéro de séquence automatiquement. Donc je vais essayer d'avoir un 10. Voilà, donc vous voyez, là on a créé un 10. Et désormais ce qu'on va faire, on va faire placer donc le numéro généré dans le tableau, ici dedans, le tableau qu'on avait créé, donc le tableau qui est ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici. Donc on a le numéro qui est créé, donc on ne va pas le faire afficher dans une... Sinon, on va le faire afficher dans un tableau. Et on va dire que, bah, simplement, if sheets 2.range B3 n'est pas vide, then, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si B3 n'est pas vide, ça veut dire que j'ai des données dedans. On va dire que sheets 2.range, hop là, c'est plutôt range. B et on va aller rechercher la dernière ligne bien sûr, donc on fait et sheets 2.range B999.end xlup, donc L pas 1 row plus 1 est égal à sequence. Par contre je vais le fermer ici. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, ici, on a dit que si la cellule B3 n'est pas vide, ben, on va rechercher la ligne d'en dessous. Donc on va retrouver en B9999 et on va remonter en haut, plus 1. Voilà ce qu'on a fait. Et on va donc afficher, bien sûr, le chiffre aléatoire qu'on a créé. Hein. Sinon, donc else, qu'est-ce qu'on va faire sinon? Sinon, ben, si il n'est pas vide, ben, on va dire que sheets 2.range B3 est égal à séquence, tout simplement.
Donc si ceci est vide, ben, on va placer le premier numéro dedans. And if. Donc là, on va le faire. Donc je vais effacer ceci. Je vais venir ici et je vais donc faire play. Et on va y placer le 7. Je fais play, il place le 6. Hop. 4, 2, 8, 5, 8, 6, 9, 1. Donc ici, il place les numéros qu'on a générés aléatoirement. Il le place dans le tableau ici dedans. Le problème, c'est qu'on a plusieurs fois des doublons dedans. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On va avoir des numéros uniques. Alors pour avoir des numéros uniques, ce qu'on va faire, on va devoir contrôler si le numéro existe déjà. Si le numéro existe déjà, ben, on va devoir sortir de la boucle et recommencer bien sûr. Donc comment va-t-on faire ça? Donc je vais venir ici, je vais de nouveau tout effacer. Donc j'efface les lignes de mon tableau. Mon tableau, il est vide désormais. Et je vais dire que, ici, juste ici en dessous, je vais dire que for each number, donc pour chaque numéro, in sheets 2.range numéro séquence. N'oubliez pas, le numéro de séquence, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai créé ici. Donc, c'est la plage de données que j'ai nommée ici, ça s'appelle numéro de séquence. Donc, si je viens ici, on a numéro sec. Si je clique dessus, on arrive ici dedans. C'est la plage de données qui contiendra donc nos numéros. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on met ici. Alors on va faire une nouvelle condition si, donc si le numéro, si number est égal à séquence tel, et donc si le numéro trouvé dans la loupe, donc le numéro de la ligne est égal au numéro de séquence, alors on a un doublon. Il faudra donc sortir, donc on va dire donc qu'il faudra faire relancer la procédure pour créer un nouveau numéro général. Il faut nouveau générer un nouveau numéro et refaire le tout. Donc on va faire quoi? On va dire que random de nouveau. Et on fait un end if. Et on fait un next number. Ainsi, s'il ne trouve pas le numéro, donc si le numéro n'existe pas, il va sortir de son range et il va appliquer ce qui se trouve en dessous et donc placer le numéro dans notre tableau. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. On va cliquer. Il me donne une erreur, on va voir pourquoi. C'est range avec un E bien sûr, parce que range, ça n'existe pas. Je fais OK. Et on voit, il place le 1 dedans, parce que le 1 n'existe pas. Je reclique dessus, il place le 6. Je reclique dessus, le 7. Ah, là, on voit qu'il a placé deux numéros. Il a placé le 9 et le 6 à nouveau. Par contre, le 6, il existe. Pourquoi est-ce qu'il a placé dedans? Un peu étrange, ça. Et cela, il le fait tout simplement qu'on est encore dans la première boucle du for et on n'est pas sorti de là. Donc, pour éviter ce genre de problème-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir venir ici, placer en dessous, qu'on excite le sub, et voilà. Ceci va nous permettre de ressortir de notre procédure, donc relancer notre procédure. Celle-ci est encore en cours, donc on va l'arrêter et donc sortir, et relancer le tout. Donc on va venir ici, je vais l'effacer, supprimer, voilà. Je vais lancer de nouveau le code, donc je lance, on a 1, on a 2, 7, 5, 4, 8, 10, 6, 3... 9, oui, ah, et là, on ressort, et on ressort donc un message d'erreur. Et on va voir ce qui se passe, en fait, débogage, et il marque ici, il y a un souci. Le message, il affiche tout simplement parce qu'on atteint notre limite, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus haut que 10, et ici, le code, il bloque, il dit, bon, tu peux pas aller plus haut que 10, pourquoi est-ce que je dois continuer à faire mon contrôle? Tu as déjà atteint tout ça. Donc, si je fais un stop, et que je viens ici, hein, je vais donc le trier de A à Z, on voit qu'on a donc déjà tous les numéros de 1 à 10. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a atteint le maximum. Mais il va nous donner un message d'erreur car on a atteint le maximum déjà. On peut bien sûr faire, venir ici et dire que on error resume next. Voilà. Et on va lancer le code. Et là le programme il va planter. Attends un peu, vous allez voir, le programme va planter et va recommencer. Et voilà, donc le programme a planté, il a recommencé et on peut tout reprendre depuis zéro. Et donc je vais essayer de récupérer mon fichier le mieux possible, donc je vais ouvrir le fichier que j'avais sauvegardé au début et faire en sorte qu'on retrouve au même endroit où on était resté. Et donc voilà, donc j'ai récupéré un peu le fichier comme on l'avait laissé avant qu'il plantait. Et donc on va recommencer et donc le remplir, cette fois-ci j'ai enlevé le
signe d'erreur, donc voilà. Il est là. Donc en train de remplir le tout des numéros uniques. Je ne vais pas plus loin parce que j'ai peur qu'il se replante, je vais tout recommencer. Donc désormais, comment est-ce qu'on va éviter d'avoir le problème quand il plante parce qu'on a déjà atteint le maximum? On va tout simplement dire que voilà, si on veut 10, donc on a marqué le 10 ici dedans, on va contrôler avec une condition si le nombre d'entrées dans mon tableau, donc le nombre d'entrées dans ce champ de, dans le champ qu'on a nommé, est plus petit que 10, eh ben on va pouvoir lancer tout le code. Par contre, si il n'est pas plus petit que 10, hein, donc il est égal à 10, eh ben là, on va dire non, on arrête là, hein, et on va pas faire du tout, on va faire rien du tout. On va marquer un message disant que le nombre maximum de numéros est déjà atteint. Donc, on va devoir augmenter le maximum de notre numéro. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais donc venir ici. Je vais dire, donc, pour faire simple, hein, on va prendre ceci et je vais le faire avancer de à côté, ainsi c'est beaucoup plus clair. Je vais faire ici que if sheets 2.range numéro séquence, c'était 100 numéro sec.rows.count, donc on va compter le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau en fait, hein, et plus petit que 10, 10, on va lancer le code ici. Sinon, donc tout en dessous, on fait else, on va faire afficher un message, on fait message box, qu'on va faire afficher donc le nombre maximum de numéros est atteint. Voilà ce qu'on va faire afficher. Et bien sûr, le end if pas oublié. Et donc désormais, si je vais lancer le code, donc on continue, je clique, je clique, je clique, je clique, ah, le nombre maximum de numéros est atteint. On va vérifier cela, on va faire de A à Z. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a jusqu'à 10, donc oui, effectivement, le numéro, le nombre maximum a été atteint. Et le programme n'a pas planté, mais le programme a simplement envoyé un message disant que voilà, on atteint le nombre maximum de numéros, il faut s'arrêter là. Pour rendre les choses assez, un peu plus faciles aussi, si on veut augmenter facilement donc le nombre de numéros, donc la taille de notre tableau, au lieu de venir ici et changer de 10 à 100, hein, et puis ici, la limite à 100 aussi, on peut faire autre chose. Hein. On va créer un nouveau dim, on va nommer donc le max, le numéro maximum, as long, hein, on va faire as long, ainsi vous pouvez placer des longs numéros dedans, et on va dire que le max est égal à 9998. Non, mais voilà, ça c'est le maximum. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben ici, on va pas dire de moins de 100, mais on va faire que si le chiffre est moins que le max, alors on fait le truc. Ici, on va faire le 100 non plus, on fait donc le max. Et donc désormais, si le max est de 20, donc si je mets 20 dedans, et on veut le laisser, pas de problème. On va continuer, donc on va cliquer. Hop, le max peut-être avec un collé ensemble, ce serait pas mal. Voilà. Et on lance, on va aller jusqu'à 20. Ah, le long maximum a été atteint. On va vérifier. Oups, on est arrivé jusqu'à 20. On voit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ok, pas de problème. On va augmenter. Au lieu de monter deux fois notre code, on va ici dans la variable le max. Et je vais le monter à 30. Et je peux désormais continuer jusqu'à 30. Sans problème. Créer des numéros uniques. Et comme on peut voir, on n'a jamais créé un doublon. Hein. On crée tout le temps des numéros uniques. Et donc maintenant, si je mets ça en 9999. Et là, donc on va créer des numéros aléatoires jusque-là. Hein. Donc on voit les numéros qui se créent ici dedans. Et pour un peu faire mieux encore, on va venir ici. On va venir donc ici après le end if. Et on va donc dire que sheets 1. Range A1 est égal à séquence. Voilà. Et désormais, donc, si on vient ici, on voit qu'il y a marqué 1, je reviens ici. Je vais lancer le code. On a donc créé le 1907. 1907 est là. Et donc, tout le numéro de séquence termine par 1907. Voilà, je pense avoir montré les différentes techniques afin de générer un numéro de séquence personnalisé. Je vous invite à nous partager avec nous à la communauté ici comment est-ce que vous avez personnalisé vos numéros de séquence. Cela pourra sûrement inspirer d'autres, moi en premier bien sûr. Allez, on se retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde!